بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chapitre 38 باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر Chapitre concernant un riwayat qui est venu concernant la parole de Rasul صلى الله عليه وسلم dans ce qu'on appelle السمر سمر سين ميم را veut dire raconte des histoires à soi. Alors, ça nous connaît, c'est une pratique, ce qu'a dit là aussi, nous en allons. Ça veut dire, un jimon, à soi, les assiser, les réunir, sa famille, sa madame, ses enfants, ou soit ben les autres. La plupart du temps, les faire dans la case. Raconte ben des histoires. Et on a beaucoup plaisir là-dedans. Alors, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça. Après qu'il nous guette poésie, qui Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Donc là, à cela, nous guette ben des histoires qu'il nous raconte. Donc, il y en a énormément de riwayat. Pour montrer nous qui bonnes histoires ils racontaient. Vous trouvez nous dit une grande partie nous dit une grande partie Coran et une grande partie dans ben, l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et na histoires. Alors parmi bonnes histoires que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il racontait c'est asseoir les réunis sur ben madame comment nous couler. Alors il existe des hadiths dans ce chapitre là. Deuxième là il est assez long donc aujourd'hui nous est premier là. Donc hadith 252 Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté Haddathana al-Hassanu ibn Sabbah al-Bazzar Haddathana Abu Nadr Haddathana Abu Aqil al-Thaqafi Abdullah ibn Aqil ibn Mujalid An al-Sha'bi, An Masruq An Aishata radiyallahu anha Donc, Ummul Mu'minin, Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha rapporté, qalat lijia حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا أن la nuit رسول صلى الله عليه وسلم fin raconte sur une madame une histoire ici nous peut traduire hadith par histoire hadith en a beaucoup de signification là ce signification dans ce hadith là c'est histoire sa bonne histoire ce qu'on appelle samar ce qui habitait raconté dans la nuit فقالت امرأة منهن الو ان قومي بن مدام فينجيه فين بوز كيسيون دون رسول صلى الله عليه وسلم فين راكونت زيستوار لا رسول صلى الله عليه وسلم فين ان مدام فين بوز كيسيون كان الحديث حديث خرافه ليجي كوما جي سا زيستوار لا ان ليجوند سا الو لا نو بيان كومبران ان مو دون عرب سي خرافه خ را Alif fa avec ta marbouta. Khurafa, nous pouvons traduire par légende, par un mythe. Qui veut dire ça? C'est une histoire qui dit mon raconté, qui n'est pas vraie, mais qui est en même temps intéressant. Alors, légende, c'est ça. Dès quelque chose caractérise les. Premier, c'est une histoire qui n'est pas vraie. C'est un mensonge qui dit mon inventé. Après ça, il est intéressant. Qui s'en a sinon pour intéresser écouter un mensonge? C'est parce qu'il est intéressant, il est passionnant. Il y a quelque chose là-dedans qui intéresse du monde. Nous ne connaissons pas centaines de légendes, de histoires que du monde racontait. C'est ça la différence qui fait entre légende avec l'histoire. Si il est vrai, tu peux appeler l'histoire, history. La différence entre légende et histoire, c'est que légende là, il pas une affaire vraie. C'est une histoire que du monde racontait. Alors, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin, raconte ces histoires, madame là pose question, comment dire une légende ça? Est-ce que madame là fin impliquée que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut raconter une histoire qui n'est pas vraie? Non. Ben non, là, moi, non. Madame là connaît très bien, comme tout le monde connaît, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité sortie de la bouche Moubarak. Il n'est pas pour cause menti. Même les histoires qu'il est pour raconter, il n'est pas pour raconter une histoire qui est fausse. Donc, légende, il n'est pas fin amené. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amène la vérité. Ben, les histoires qu'il raconte nous, c'est ben vrai. Ben, les histoires vraies. Alors, tellement, ces histoires-là, intéressant, qui, madame, là, dit, comment dire, une légende, ça. Alors, ce qui, madame, là, peut faire référence, ça, c'est pas au mensonge, non. C'est à ce qualité intéressant qu'il y était. Vous connaissez, légende-là,
comment dire, a dit piment là-dedans. Il est passionnant pour écouter. C'est pour ça qu'il nous contient un coup d'histoire. Un jour dans le pays. Hein, il était une fois. Donc, nous contents écoute ça qu'il fait parce qu'il est passionnant et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, madame là, il pose sa question. C'est de là que nous gagnons ce mot khurafa. Khurafa, un mot bien connu dans l'arabe qui veut dire légende, qui veut dire un mythe, qui veut dire une histoire qui dit mon raconté. Alors, faqal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, atadruna ma khurafa, est-ce que je te connais qui était ça khurafa? Je te connais qui était ça mot qui je t'appelle légende là. Je te connais qui était ça. Donc là, c'est une mauvaise parenthèse, le langage arabe. Nous vous trouvez que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il servit atadruna. Il met le verbe, il accorde le verbe au masculin pluriel. Masculin pluriel. Alors, qui tient à madame là? Tu veux mettre le féminin pluriel. Atadrin. Alors, ce ulama explique-nous qui possiblement tient à monsieur, pas connaît. Parmi ban mahram, capable tient à monsieur, mais ce qui, je dis à nous, ce qui est plus probable, c'est qui, par respect pour madame là, par grandeur qui donne zut, et la fois nous faire ça, nous accorde lui au masculin. Alors, atadruna ma khurafa. Est-ce que je te connais qui était sa khurafa? Inna khurafata kana rajulan min udhra. Khurafa, c'est un dimoun ça. Un monsieur qui appartenait à Banu Udhra. Une tribu, c'est là dans Jahiliya. Asaratul jinnu fil Jahiliya. Dans Jahiliya, ban jin fin kidnappli fin godli prisonnier. Famakatha fihim dahran. Alors, il fin reste un long temps avec eux comme prisonnier. Thumma rudduhu ila al-ins. Après ça, je t'en retourne li parmi manjimon. Fakana yuhadithu nasa bima ra'a fihim min al-ajib. Quand il retourne, alors il commence à raconter manjimon, ban quelque chose extraordinaire. A'ajib, c'est ban affaire qui est extraordinaire, qui est étonnant, qui est amazing. Comment dire, histoire, juste pour pas croire. Du monde là, il vient raconter qu'il a trouvé côté bandine là-bas, qui finit passer. Ça a fait passionnant, ça a fait intéressant. C'est ma personne pas croire. Personne pas croire. Alors, comme ça, je t'ai une catégorie sur les histoires comme un mensonge, mais en même temps, qui sont des histoires intéressantes. C'est là que le démon commence à servir. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Faqal al-nasu hadithu khurafa. Là, le démon commence à dire hadithu khurafa, une parole khurafa. Ça, le démon là, son nom, khurafa. Alors, une gagne, les gens, ils appellent khurafa. Ça, c'est ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dit. Alors, ben, on l'a dit, non, qui, il est possible qu'il dit, mon là, il tienne un nom propre, comme un dit, mon là. Alors, tellement, il raconte sur ben, histoire. Donc, tienne, ben, dit, mon, il commence à appeler lui-même, khurafa. Alors, nous mettons un petit peu dans le contexte, avant la venue de Sayyidina Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, tienne a beaucoup quelque chose qui s'est passé. Beaucoup quelque chose de négatif. Parmi là-dedans, tienne, ben, djinn, comme on nous connaît avant qu'il nous vienne, avant qu'Allah crée une sainte, c'est un djinn. Hein, comme un ange, Allah dit, pour créer un vice gérant, l'eau, la terre, un ange demandait, t'ajalou fiha, man yufsidou fiha, wa yasfikou d'dima, est-ce qu'il te peut mettre l'eau, la terre, c'est qu'il peut faire façade, et qu'il peut, fendissant l'eau, la terre. Comment je te connais tout ça là? Parce qu'il djinn, tu es déjà là avant. Tu peux faire des autres. Alors, avant, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ben djinn, c'est un autre la fausse. Je t'y faut, je tiens la possibilité de faire ben des affaires, comment nous trouver ici. Bandin, dans certains cas, tu peux sème la terreur. Alors, je t'y peux kidnapper du monde, je t'y peux battre du monde, je t'y peux même kidnapper ban madame, tu peux na viol avec ban madame là, tu peux gagner relation avec sa ban madame là, tu peux faire ban mauvais travail. Parce qu'il dit, tu as la force, tu as la puissance. Donc, tu as l'exorcisme. Ça veut dire, ban procédé, ban pratique qui ban du monde, tu as recours, qui peut faire pour tirer djinn, pour lutte contre djinn. Donc, ça tient des affaires bien avancées. Alors, à cause de ça, que nous vous trouvez qui, ça dit mon, khurafa là, djinn fin capable de capturer li, algod li prisonnier par là, qui fin passer là-bas. Aujourd'hui, nous pas trop t'entendre sa man histoire là, qui fait parce que, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin vini, la lumière fin vini, ban djinn, zot pouvoir fin cassé. Ban djinn, zot pouvoir fin affaibli. Sa puissance qui je tiens avant là, zot n'est plié en ali. Je ne commence plaigner. D'ailleurs, quand naissance Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de riwayat montrent nous qui ban quelque chose qui n'arrivait, ban djinn, il commence plaigner. Donc, ban djinn, je pouvoir diminuer. Donc, valait à 10 jours, je peine sa quantité de pouvoir que je tiens avant là. À tel point qui, après la venue de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tiens à dimoun qui tu peux commencer à dire, je crois ban djinn, il disparaît à cette terre.
Beaucoup de gens n'ont plus existé à cette terre, tellement ils étaient tranquilles. Pas fin de temps, avant quelque chose qui tient avant là. Alors, dans ce hadith-là, qui est une leçon qui nous tirait, nous trouvait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui persistait avec souvent madame, et possiblement avec les autres membres de la famille, tu peux raconter l'histoire à soi. Première affaire, il est là, dans la case. Alors, un petit peu dommage qu'il y a aujourd'hui, nous vous trouvez, Bandimoun, surtout Bandimichier, ça l'est après Inch'Allah, je t'en déhaut la case. Je t'en avec camarade, ou soit les autres places. Alors, ça, c'est une affaire qui n'est pas bon. Dimoun, là, il est supposé dans sous la case. Il y a une exception, par exemple, une grande nuit, quand Michel là, dans Masjid, il pourrait trouver dans Masjid, peut-être une fois, deux fois, quand il y a un programme dans Masjid. Mais sinon, même s'il y a quelque chose tous les jours dans Masjid, ça aussi, il n'est pas bon. Après, il y a Mazécha. Beaucoup, nous, Banou Lama, ils déconseillent nous ça. La Mazécha finit, rentre la case. Nous finissons apprendre, beaucoup de hadiths nous finissent lire avant, l'eau, qui consiste recommandation, il y a pour dormir bonheur après Isha. Hein? Comme à Rasoul, il même il indique nous pas causer après Isha. Mais seulement, il y a certains qui ont causé, qui ont une exception, qui a les Mahmoud, les corrects. Par exemple, assisés à Prandine, assisés à Ancien-Dine, comme nous finissons trouver dans certains hadiths, Rasoul, il fait. Et là, nous trouvons les persisés avec ce madame, les peut raconter histoires. C'est à ces histoires-là aussi, ne vous inquiétez, qui histoires nous peut raconter. Bien souvent, nous avons une fois dans un pays, nous avons premières affaires soulignées qui c'est un mensonge. Ça. Il ne faudrait pas nous raconter, surtout aux enfants, quelque chose qui mentit, c'est mal, il passe pour vérité. Nous avons fini de faire comprendre que c'est un mensonge, c'est une histoire qui dit qu'on a inventé ça. Une fois dans un pays, tu as les rois, la reine, ces histoires-là vraies, nous dit Ali, c'est vrai ça. Et Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte nous beaucoup d'histoires vraies qui nous bisent, prend, amène dans nous la case. Raconte madame, raconte les enfants. Dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires vraies. Il y a un livre qui est écrit, par exemple, un livre qui est bien connu, Qissas ul Anbiya, histoire de mon prophète. Beaucoup d'histoires il y a là-dedans. Là-dedans, il y a Ahsanul Qasas, comme Allah dit dans Surah Yusuf, l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc, il y a beaucoup d'histoires vraies, que il y a énormément de leçons qui nous capables de raconter. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a assis avec sa famille, il raconte des histoires. Il fait montrer nous qu'il est là, à travers ça, les finenas, c'est qu'on appelle husnul mu'ashara, une façon pour les traiter d'autres bien, une façon pour les faire d'autres contents, hein, yufrihun, les mettre, comment dire, la joie dans d'autres lesquels, et dans du monde, peut-être, une fatiguée une journée, ou soit, les fin faire quelque chose qui est capable, boring, alors, là, donner un petit relief, un petit divertissement, comment dire, mais en même temps, ce divertissement-là, peut-être divertissement, c'est un mauvais mot, on peut employer, hein, une affaire plaisante, pour qu'il y relaxe, du monde là, surtout intellectuellement. Mais en même temps, là-dedans, il y a énormément de principes, énormément quelque chose de positif qui nous capable d'enseigner à travers sa bande d'histoire-là. Donc, ça, c'est le premier hadith. L'autre hadith-là, il est assez long. Donc, demain, Inch'Allah, après, on va commencer. Nous faire droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, apprendre nos dînes, donne-nous tawfiq, comprend, connaît, qui quantité nous dînes, il est intéressant. Ici, il y a des gens qui intéressent là-dedans, qui ne sont pas intéressés avec les autres histoires, avec les autres affaires qui autres qui dînent, avec les autres affaires qui tiennent nous dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce zikar. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous des moyens, donne nous des ressources, mette ça dans quelque chose là facile devant nous, quelque chose qui est dans nos dînes, un récit qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous, Coran finit de montrer nous, nous capables d'écouter, nous capables d'apprendre avec les autres et nous capables en Saint-Élie, nous capables d'amener ça dans nos cases. Qui Allah subhanahu wa ta'ala met bénédiction dans nos cases, dans nos familles et qui lui fait qui dans chaque case nous réunit autour de ce zikar, autour du zikar de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, zikar de man awliya, de man anbiya et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça lui descend sur barakat, sur rahmat l'onu. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.